Les amis, bonjour. Eh bien écoutez, aujourd'hui, nouveau test. Nouveau test, sauf que ce sera un test donc avec des amplis différents sur les mêmes enceintes. Donc voilà, comme ça on va pouvoir faire une petite écoute en essayant de voir un petit peu les différences de chacun. Donc là, on est sur deux amplis qui sont de la même puissance. Donc là, nous avons le Pioneer A77X. Voilà, je vous laisse un peu voir en détail. C'est un bel ampli, je trouve qu'il est quand même assez charmant. Voilà, il a de la classe. J'aime bien cet ampli. Il est plutôt beau. Voilà, au niveau des caractéristiques, donc il fait 100 watts par canal sous 8 ohms. Au niveau de la réponse en fréquence, il est de 10 Hz à 100 kHz. Ensuite, le niveau de distorsion harmonique, il est de 0,003%. Donc c'est quand même bien. Le damping factor, il est de 100. Et sinon, au niveau du poids, on est à 15,3 kg. Et c'est un ampli qui est sorti en 1985, donc dans les années 80. À savoir que c'était plus l'âge d'or de la hi-fi forcément, mais il y avait quand même encore des belles pièces et qui fonctionnent encore bien, bien à l'heure actuelle. Et celui-ci n'a pas été recapé ou quoi que ce soit, hein. Voilà, bon, on ne voit pas trop là à l'intérieur, mais voilà, il y a quand même deux transfos, deux beaux transfos. C'est quand même un bel ampli. Et ensuite, donc en dessous, on a le Technics SUV 90. Donc qui lui, alors il fait 100 watts par canal sous 8 ohms. Comme ça, voilà, on est sur deux amplis qui sont dotés de la même puissance. Ensuite, au niveau de la réponse en fréquence, il est donné pour 20 Hz à 20 kHz. Le taux de distorsion harmonique, il est de 0,002%. Donc normalement, il distord pas beaucoup. Enfin, il distord moins que l'autre, mais déjà, c'est quand même un bon niveau. Le damping factor, il est de 60. Donc c'est vrai que pour tenir les basses, ça se ressent. Moi, je trouve qu'à l'écoute, il y a quand même un manque de punch. Et après, au niveau du poids, on est à 13,2 kg sur 13,2 kg. Donc voilà, après c'est un ampli, je sais plus quand est-ce qu'il est sorti. J'aurais pu vous redire ça, il est sorti en 88, 88-90. Voilà, donc c'est encore un ampli des années 80. D'ailleurs, la plupart des amplis qui ont les façades noires sont des années 80 et même 90. Donc qu'est-ce qu'on pouvait voir sur ce petit... Je sais pas si on voit bien là, parce qu'il n'y a pas trop de lumière. Je vais me décaler un peu. Alors, donc là on a les basses très belles, diffuite pour enlever tous les réglages gauche-droite. Donc là, on a les quoi? C'est le sampling frequency 32 kHz, 44, d'accord. C'est ah, j'avais, tu sais quoi? Je crois que j'avais jamais fait gaffe à ce truc-là. Tu vois, j'en apprends, hein, j'en apprends. Cet ampli-là, à savoir, je m'en suis pas quasiment pas servi, donc je le connais pas spécialement. Et d'ailleurs, ça va être une première, donc avec le sigle classe AA et. Tu vois le bouton de volume. Hop. Voilà. Tu peux t'en servir aussi d'ampli de puissance. Donc ça c'est pas mal. C'est pas mal. Voilà, on va passer derrière. Enfin, je vous montre un petit peu l'ampli comment il est pour... Enfin les deux amplis pour que vous voyez après à l'écoute qu'est-ce que ça donne. Donc le Pioneer A77X, il est donné pour 780 watts. C'est-à-dire il a une bonne consommation. Donc une bonne alim. Ça c'est important à regarder quand même. Fabrique au Japon, hein. C'est important aussi. Bon, après, au niveau des. Voilà, au niveau, c'est un peu. Ça reste basique, hein. Et pour le Technics SUV 90D, voyons voir un petit peu derrière ce qui se trame. On est à 765 watts de consommation. Voilà, Made in Japan. Non, franchement, c'est des bons amplis, même si, voilà, j'ai ma préférence. Et encore une fois, les amis, c'est surtout la, comment dire, l'association qu'on va en faire. Donc là, à savoir que là, ça va être sur les JBL. Donc les JBL, c'est des enceintes qui sont très gourmandes en jus. Elles demandent à ce qu'on les bouscule. Il leur faut un ampli qui soit péchu. Voilà, c'est pas rien. Donc, moi, pour moi, le Pioneer A77X, il matche mieux. Il est plus dynamique, il y a plus de corps. Tandis que celui-ci. Il est beaucoup plus doux, beaucoup plus calme. Tu sens que voilà, c'est. J'aime moins. Donc, à mon avis, il pourrait peut-être bien se marier avec des enceintes. Je vais dire ça comme ça, hein, mais peut-être qu'il pourrait bien se marier avec les Clipchair F7, tu vois, ou même les JBL.
Les JBL Studio 590. Donc à voir, j'essaierai plus tard. Mais donc là, on va se faire une petite écoute donc avec les deux amplis là. Je vous montrerai à chaque fois. Et ensuite, ce sera donc sur mes deux baladeurs audiophiles. Donc avec des. Ce sont des musiques en FLAC. Et sur les enceintes. Donc voilà, après. Voilà. Bon, bah, j'espère que cette petite review des deux amplis vous a plu. Et donc je vais essayer d'en faire aussi plus souvent pour voir les différences avec les amplis. Et je pense que la prochaine fois ce sera celui-ci, le Denon PMA 1560 avec un autre de la même gamme qui fait aussi 150 watts. En fait, ce qu'il faut c'est que vraiment au niveau des puissances ça reste voilà, ça reste cohérent, qu'il n'y ait pas des fossés des trop gros fossés. Donc voilà. Bon, après c'est vraiment les mariages, je vous dis les mariages c'est très important avec les enceintes. Donc là, on va dire plutôt, c'est plutôt l'ampli, qu'est-ce qui va aller mieux avec les JBL 240 Ti, même des enceintes qui sont plutôt neutres et qui sont dures à driver. Voilà. Donc, allez, c'est parti, on va passer à l'écoute avec des petits sons que je vais vous passer dans les prochaines vidéos.